Salut à tous, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Watchroom d'Assassin's Creed. Alors comme j'ai dit dans le précédent épisode, j'ai fait hors caméra les réparations de mon armure ainsi que... Attendez, c'est pas un truc caché, ah non. Ainsi que j'ai racheté un plastron, un nouveau plastron vu que j'avais assez d'argent. Et j'ai... je recherche dans ma petite tête... J'ai fait un autre truc, mais je sais plus du tout quoi. Alors je tiens à dire aussi cet épisode-là, comme vous avez pu le voir, avant de se quitter, on avait dans le dernier épisode, on était à 3 lieutenants tués. Là, j'en suis à 5, simplement parce que j'ai filmé les deux cibles que j'ai tuées. J'en avais même, enfin, j'allais en tuer 3. Le dernier m'a fait rager. Et heureusement et malheureusement, il y a eu un bug. Alors pourquoi malheureusement? Bah parce que c'est bête, vous n'allez pas pouvoir voir les deux cibles que j'ai tuées hors caméra. Bon, c'était pas vraiment les plus palpitantes, hein. C'était assez facile. Je suis vraiment désolé, alors si je dis pas de bêtises, c'était le prêtre qui est en haut de l'église, donc il faut être discret. Et un mec qui fallait poursuivre sur les toits. Donc je suis vraiment désolé, hein. Il y a eu un bug PVR, un gros bug PVR, qui a vraiment fait tout foirer. Donc bon, je suis vraiment désolé, et quand je dis heureusement, c'est parce que il y avait une troisième cible que je devais normalement tuer, que j'ai pas réussi à tuer, que j'ai duré au moins 10-20 minutes à passer dessus, et au début je dis je vais pas vous faire une ellipse, à la fin je dis je vais faire une ellipse, puis au final bah il n'y a pas eu du tout d'ellipse vu que l'épisode a été foiré, planté, enfin tout ce que vous voulez. Donc bon, ça fait deux cibles que vous n'avez pas vues, mais c'est pas non plus hyper important, enfin... Si quand même, mais j'ai envie de dire, il nous reste encore assez de cibles à tuer pour vous proposer du gameplay. Par contre, je me suis raté et en plus on est poursuivi, il va falloir que je trouve une planque. Impeccable. Alors là, je vais sélectionner 3, enfin, je sais pas, on va durer combien de temps pour faire la vidéo. Mais on va faire la cible que je galère le plus. Que je galère vraiment, voire peut-être je la ferai même hors caméra, je suis désolé, ça dépend, on essaiera une fois, deux fois, si ça passe pas, bah je la ferai hors caméra. Il y a une page du codex, on va aller la faire, je ferai peut-être hors caméra une mission, parce que c'est la mission que je réussis le moins, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Impeccable, ils sont en train de se battre en bas, bim, on va prendre la page du codex qui est planquée là. Bijou de petite page du codex, hop là. On va continuer. Alors là, je crois que j'ai pris la cible la plus loin parce que je crois qu'on est dans Florence, on est dans Florence qu'on a au début du jeu. Donc je crois qu'on a, j'ai pris la cible la plus loin. Parce que j'en ai bien l'impression. Ouais, elle est vraiment loin, la vache. Donc oui, je disais, je ferais peut-être l'autre cible hors caméra. On verra. Pour l'instant, on va faire les trois. Je sais qu'il ne reste pas que trois cibles, il en reste quatre. Mais on va faire les trois que j'arrive plus facilement. Vous voulez être soigné? Dans ce cas, vous devez d'abord vous soumettre à notre nouveau souverain. Assassiner le médecin. Alors lui, il est pas vraiment dur, mais c'est à vous d'être concentré, de faire attention. Donc déjà, on commandait en étant repéré. En fait, le but va être de passer parmi les gens ou sur les bancs pour arriver jusqu'à lui. Alors à la fin, faut vraiment rusher presque, puisque il n'y a plus d'un moment où... Vous avez bien compris le truc, il n'y a plus de personnes. Hein. Là, vous voyez que là, j'ai un groupe de personnes. J'attends que les ennemis passent. Par contre, il y en a derrière aussi. C'est pas vraiment dur, mais c'est à vous de vous concentrer. Oula, attendez, je viens de voir un truc que j'avais jamais vu. Attendez. Il est où, lui? Attendez, hein, 2 secondes. Je viens juste de voir un truc. Ok. Pourquoi résister? Je suis en train de voir, parce que moi d'habitude, vous voyez le groupe de moines là-bas, je vais avec eux normalement, et je le tue. Mais là, je viens de voir en fait qu'on pouvait passer au-dessus, par là-bas. Regardez derrière moi, ok, il y a l'héros, et ben on peut passer là sur le toit, et hop, on peut le tuer comme ça. Je vais pas le faire là, parce que moi j'ai l'habitude avec les moines, ce qui me paraît le plus simple. Hop. Et là, vous voyez, vous avez juste à aller là. Normalement, au bout d'un moment, vous pouvez le tuer. Je sais plus si les soldats partent par là. La Simone part par là. Non, on va attendre. Non, on va pas faire les fouilles fous. On va attendre. Oups. Et pour cause, oups. Nous avions trop honte, voilà, de nos armes. J'ai eu chaud. Voilà pourquoi. Oups, encore. Pourquoi vous êtes en proie à la maladie? Je sais plus du tout comment. Attendez, il est où le médecin? Il est là-bas.
Mais n'ayez pas peur. Voilà. C'est parti. Tu as versé le sang d'un guérisseur. Non. J'ai versé le sang d'un tyran. J'ai cru avoir droit de vie et de mort sur mes semblables. J'ai cru pouvoir décider de qui passerait dans l'autre monde. Je crois que je me suis laissé endormir. Ton sommeil sera éternel. Je puis t'assurer que tu ne seras pas mort en vain. Requiescat in pace. Et voilà, on a. Alors oui, je sais, j'ai rushé sur le mec, mais bon. Ouais. C'est pas grave, j'ai fait tout le reste en discret. Bombe fumigène. Oups, fail. Bombe fumigène. Et on se casse d'ici. Comme ça, ça va aller plus vite. Hop là. J'espère que malgré que les 4 de la bonne nous voient, j'espère que ça va pas faire être handicapant. Logiquement, je pense pas, parce que ça compte comme une cachette. Voilà. Et donc, Paola repasse encore avec une troupe de soldats plus grande. Paola et Volpe, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va aller tuer ensuite? Je suis en train de réfléchir. Bah, de toute façon, ouais, non, de toute façon, il n'y a pas à réfléchir. Les trois prochaines cibles, hors la personne que j'aime pas tuer. Alors, la cible que je déteste est normalement... attendez, je vois pas les cibles. Y a un problème. Alors je suis aveugle, attendez. Je me concentre. C'est normal que je vois pas les trois autres cibles. Ah, j'avais pas laissé charger. Autant pour moi. Alors, normalement, alors celui que j'aime pas est près de l'eau, donc logiquement ça doit être lui. Donc on va aller faire lui. Ouais. Hop. Donc je suis désolé, hein, mais on va faire d'abord les deux autres. On finira par celui que j'aime pas. Si on a le temps aujourd'hui, je le ferai. Si on n'a pas le temps, bah ça sera sûrement hors caméra. Je tiens à vous le dire, parce que c'est pas parce que je veux pas vous le montrer ou quoi que ce soit, c'est parce que je sais que je vais me fail beaucoup de fois. Et il y en a, ils vont dire, bah tu pourrais montrer tes fails. Ouais, mais le truc c'est que en fait ça va être, enfin ça va prendre beaucoup de temps quoi. J'ai pas envie de passer 20 minutes pour tuer un mec. Là déjà si on fait 20 minutes, on tue les deux autres qui restent. Bah c'est déjà pas mal, je dis. Si déjà on arrive à 8 cibles sur 9 à la fin de la vidéo, bah ce sera pas mal. Ouais, parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Ouais. Parce que là il y a de la distance hein, pour aller là-bas. Donc on va y arriver, mais j'ai pas pris la cible la plus proche. Mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, il aurait fallu aller la tuer. Donc, en haut ou en bas? En bas, apparemment. On va regarder ça. Je cherche le chemin. J'aurais peut-être dû faire un point d'observation, c'est pas grave. Là. On va passer par là. À gauche. Allez, hop. Ah mince, ça veut pas. Je vois rien, en plus là il fait sombre sur mon écran. Je vois rien du tout. Ah bah si, c'est bon, parle-toi. Hop là. Et ah oui, alors lui ça va être dur, il va falloir enfin, ça va pas être dur, mais enfin, bon, je vous laisse admirer. Pas trop tôt. Savonarola m'avait prévenu que certains contesteraient notre autorité. J'ai donc conçu ce piège afin de neutraliser quiconque serait assez stupide pour jouer les héros. À la fois divertissant et efficace. Que la fête commence! Accepté. Je sais plus du tout s'il faut résister aux vagues ou si on a le choix. Ouais, si, il faut qu'on résiste aux vagues. Moi je croyais qu'il fallait qu'on fonce sur le mec. Enfin je crois qu'on peut foncer aussi dessus. On va faire les vagues hein, parce que ça va plus être, enfin, ça va être plus marrant. On va faire les vagues. Pour une fois qu'on a du combat, parce que bon normalement on n'a pas vraiment de combat dans Assassin's Creed. Enfin, j'ai envie de dire du combat brut comme ça, normalement il n'y a pas vraiment vu que c'est plutôt un. Ça va plutôt être discret. Par contre je déteste les mecs légers là comme ça là, les. Appelez ça comme vous voulez, mais les soldats légers. J'aime pas ça.
avec leur dague là. Oh. Bon, lui par contre, voilà. Voilà pourquoi je les aime pas. Hop là, ah bah si, lui j'ai réussi à le faire. Allez, allez les gars. De toute façon, je crois qu'il y aura juste ces trois là, après c'est bon. Après, ça va juste être des archers, si je dis pas de bêtises, qui vont nous tirer dessus. Je sais plus du tout, attendez, on va voir ça. J'ai mis le dernier, vas-y toi. Hop là. Lame secrète, et on fonce sur le gars là-haut. Hop. Hop. Ah. Ouais, voilà, c'est bien ce que je disais, il y a des archers. C'est pour ça que je tombe, hein. C'est pas moi qui me fail, c'est les archers. Ah. Impeccable, tombé. Moi, je remonte tranquillement pépère. Ah, purée, je vais pas y arriver. Allez, allez. Oui. Oui. Oui, je sais, j'aurais pu prendre l'échelle, mais je trouve que c'est plus rapide de passer à... Ouais, non, en fait, je vais prendre l'échelle. Hop là. Ah. Boulet. Ah, oh, purée. Ah, vous savez quoi? Purée. Oh, non, 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 non. Tombe pas. Tombe. Ah, je vais me les faire. Je vais me les faire, mais pas tout de suite. Arrête. C'est pour ça que j'aime pas les soldats légers. Ça te tape comme il n'y a pas. Voilà. Avec leur dague, là. Mais dégage. Oh, ça me fait rager. Mais j'ai en train de me faire... Ok. J'aurais voulu... Voilà. Maintenant. C'est moi monter tranquillement. C'est moi monter Ah bah enfin ça veut. Ah. Non. 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 Ah, j'en ai marre. Oh bon bah on va tous les faire. Je suis désolé les amis, mais bon. C'est soit ça, soit on tue rien. Bon. Allez, allez. Allez, allez, j'ai pas que ça à faire, moi. On enchaîne, messieurs. Toi, t'as raté. Toi, t'as raté. Je vais regarder s'il y a un chemin pour aller plus rapidement. Hop. Je regarde juste un peu à gauche, à droite. Purée, tous les soldats. C'est horrible. Mais c'est horrible. Mon dieu. Allez. Moi je sais que d'habitude je rush après, enfin je fonce sur le mec qui est là-haut. Mais bon là, tant pis. J'aime pas, enfin c'est chaud. Allez, hop là. Je préfère encore une mission discrète. Parce que là c'est pas vraiment, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de niveau. Parce que voilà, vous avez juste à appuyer comme un malade sur X ou maintenir RT plus X quand il y en a un qui vous fonce dessus. Donc c'est pas vraiment chaud. Bah une mission d'infiltration quoi. C'est ça le truc. Enfin une mission d'infiltration, un assassinat discret je veux dire. Allez! Bon bah, je vais me faire celui-là. Y'en a pas un qui veut me taper là? Bah, si. Allez! Allez! Oh purée! Allez! Oh, je m'ennuie! Voilà! Et de 1. Et. Pas de 2. Et de 3. Et de. J'ai dit et de 3. Ramène ta fraise! Allez! Ah, tous les coups que j'y mets quoi, sérieux. Les soldats légers sont presque aussi résistants que les soldats lourds. C'est bon là, je les ai tous tués. Voilà, on est d'accord. À part les archers là-haut, mais bon, les archers, on peut pas encore les tuer. Enfin, on peut pas les tuer. Enfin, je me comprends. Hein. On continue. Hop, là c'est bon. Je prends la lame secrète au cas où. Non. Et enfonce sur le mec. Ok, tu veux pas. Bon bah vas-y, un combat. Moi, ça me dit bien. Ça me dit bien. Par contre, c'est pas dit que tu gagnes. C'est quoi, juste pour me la péter, je te bats à la main. Non, tu veux pas? Bon, bon bah, à l'épée alors. À l'épée, très cher. Ah, aussi, vous avez une technique, enfin, si vous voulez éliminer votre cible du premier coup, vous sortez votre pistolet, puis voilà, c'est simple. Attendez, est-ce que je peux le viser d'ici? Ah! Non! Allez! Allez! D'accord. Et il ressemble à moitié à Bartoloméo. On se retrouve après. Alors, c'est ce que j'étais. Un homme orgueilleux et cruel. Non. Tu étais sous l'emprise de Savonarola. Je crois que j'ai simplement goûté au pouvoir. Et que je me suis laissé enivrer.
Si seulement je pouvais expier mes fautes. Que Dieu t'entende. Je suis sincèrement désolé, mais c'était le seul moyen. Requiescat in pace. Bon bah il reste plus qu'à éliminer les cibles. Éliminer au fur, mais bon. Quoique il reste pas mal de. Ouais non. Vous savez quoi, on fuit. Allez. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus long peut-être, parce que bon avec les bugs que j'ai eu et tout, on va essayer d'éliminer les deux dernières cibles, enfin arriver à 8 cibles sur 9. Il y en a, ils auraient pu me dire bah tu peux carrément tous les tuer. Oui non parce que la dernière, enfin. On verra. Enfin je pense que déjà 8 sur 9 cibles ça sera pas mal à faire. Il y a beaucoup trop de mecs là. J'essaie de me casser mais j'y arrive pas. Il me faudrait un cours d'eau. Il n'y a pas de cours d'eau dans le coin. Bah on va essayer de se faufiler comme ça. Attendez, hop. Quoi? Ah ouais. Bah au moins tuer les deux cibles qui sont là. Parce que je crois que j'ai semé tout le monde à part ces deux là. Enfin j'espère surtout. Ah je vois des soldats qui sont là-bas mais ils ont pas l'air de nous regarder. Tant mieux. Allez. Non les gars sérieux, j'ai pas que ça à faire, moi j'ai des cibles à tuer, bordel. Allez. Allez. Derrière qui se rate comme il y a pas. Oh non, il y a encore des soldats qui arrivent. En plus je les aime pas. Oh non. Oh non ouais. Oh bah attendez. Lui il a l'air de se fighter avec l'autre. Hop. Je sais pas avec qui il se tapait mais. Oh non 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 non, c'est mort. Oh non non non, il y en a trop qui reviennent là. Purée. Oh purée. Je suis désolé hein, c'est pas intéressant pour vous à regarder mais. Mais bon. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est le jeu ma pauvre Lucette. On va essayer de trouver un tas de foin. En tout cas un coin pour se cacher. Merde, là il y a des soldats. J'ai vu un tas de foin par là-bas. On va essayer de s'y diriger. Non. C'était pas un tas de foin, c'était un banc, mais bon, on va essayer d'en trouver une autre planque. Là. Voilà. Ah, je suis désolé, hein, c'est pas très passionnant à regarder une poursuite, mais bon, voilà, c'est le jeu, hein. Des fois, il y a des moments que c'est pas très passionnant à regarder. Je suis désolé, c'est comme ça. Il nous reste donc. Ah non, il nous reste qu'une cible à tuer. Nous sommes à 17 minutes de vidéo. Bon, bah. On verra. Déjà, on va se diriger vers la 8ème cible et peut-être qu'on verra, on tuera la 9ème cible aujourd'hui. Si je la rate pas du premier coup, mais tout à l'heure ça m'a fait rager. C'est peut-être pour ça un peu que je suis énervé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Durant cet épisode. Parce qu'en fait, ça me fait rager cette séquence. On va juste sélectionner avant la cible. Alors, elle est où? Elle est. Là. Si je me trompe pas, logiquement. On aura une page du codex à aller chercher aussi en même temps. J'ai vu ça sur la carte, donc ça va être impeccable à regarder. Ouais, bah par le chemin là, on va faire, voilà. On va continuer de monter, puis on va passer sur les toits. Alors ouais, je voulais prendre des bombes fumigènes, je pense pas que pour la prochaine cible, il y en ait vraiment besoin. Je sais plus du tout, franchement, je sais plus du tout c'est quoi la dernière, enfin la dernière. La cible vers laquelle on se dirige. Je me rappelle à peu près toutes les cibles qu'il y avait dans cette séquence, mais là je me rappelle plus du tout. Le médecin, je m'en rappelais, le mec sur le bateau, je m'en rappelais, l'autre qui était en haut, je m'en rappelais et tout. Le prêtre en haut, je m'en rappelais aussi, mais là, je sais plus. Alors, le prêtre, vous l'avez pas vu, mais bon. Même le soldat qu'on vient de tuer, je m'en rappelais un peu. Je m'en rappelais qu'il y avait ça, mais. Lui. Allez! À toi de jouer! Yu-Gi-Oh! Pardon. Ouais, j'ai hésité à faire le point d'observation, mais non. On continue. Parce que bon, le point d'observation, bon, on aurait pu. Vous, par contre, faites-le, hein. Comme je le dis à chaque fois, faites-le. Moi je le fais pas parce que voilà j'ai pas vraiment besoin mais bon faites-le parce que déjà pour le succès puis même pour avoir une vue d'ensemble de la carte c'est vraiment mieux de le faire. De toute façon on sera peut-être forcé de le faire à la fin du jeu. Quoique non parce que non pas besoin. On va d'abord se faire la page du codex qui est là. Hein, je propose ça, vous avez pas d'avis à donner, c'est moi qui décide. Vous regardez, on va faire la page. Y a-t-il des voleurs ou quoi que ce soit? On est obligé de se combattre. Bon. Ouais, mais il y a qu'un soldat là. Ça m'embête un peu. Ça va être du combat encore pour vous. Ça va peut-être pas être passionnant. Ouais, pas si. Désolé les amis.
On va les tuer. Hop là. Mais de toute façon, la page du codex, faut qu'on la chope, donc voilà. Ça va être du combat pour vous, c'est pas très intéressant, mais la page du codex est obligatoire. Hein. Je tiens à le dire, je tiens à le répéter, les pages du codex sont obligatoires à trouver pour finir le jeu entièrement. De toute façon, vous êtes obligé, c'est dans le scénario. Pour l'instant, vous le savez pas, mais après, on le saura. Donc voilà. Ah, bon, s'il y a encore des soldats qui viennent, je comptais pas autant de soldats. Ah bah, impeccable. D'habitude, c'est des gros que j'ai du mal à battre, bah là. Les gros soldats. Là, je suis en train de le massacrer. Allez! Ah non, lui, il va être plus dur à battre. Je le sens. Je le sens. Allez, y en a un qui compte m'attaquer ou pas? Ok, ça va être long. Ça va être long, ça va être long. On va faire à la main nue. Alors pour ceux qui se disent pourquoi des fois j'utilise la main nue, je crois que je l'avais expliqué dans une vidéo. C'est simplement parce que vous êtes sûr de le one shot, voilà. Que ça soit un gros soldat ou un soldat mince, regardez. Je me fous main nue, je lui prends son arme. Enfin quoi, il a arrêté de me taper. Vas-y, attaque-moi. Quand il m'attaque, hop, je prends son arme. Donc lui, hop, il a plus d'arme et vous êtes obligé de le one shot. C'est pour ça que généralement contre les gros ennemis, j'utilise la main nue. Enfin en tout cas, je suis main nue. On va se diriger vers notre dernière cible. Puis en fait, on va se quitter, je pense, après la dernière cible. Ça aura déjà été pas mal, quand même. Pas mal de cibles à tuer aujourd'hui. Je vais juste, avant, me soigner et prendre des remèdes. Voilà. Et on va pouvoir monter là-haut. Ouais, on va monter là-haut. Puis, ouais, non, niveau séquence, ouais, ça sera la dernière. Puis je ferai l'autre, on verra bien. On verra bien. On se retrouve après. Vos ordres sont donc un peu plus simples. Vous devez surveiller ces champs et faire en sorte que les bottes de foin demeurent intactes. Cette mission n'a rien de palpitant, je vous l'accorde. Mais aussi ingrate soit-elle, elle n'en est pas moins vitale. En fait, je viens de me rappeler ce qui va se passer. C'est vraiment très dur. Enfin, je sais pas. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est une des missions que j'en chie le plus. Ouais. Je suis en train de me rappeler de la mission. Vous devez pas vous faire repérer. Et ça, c'est vraiment ce qui va être le plus dur. Ah, je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Oh là là. Oh là là. C'est vraiment. Ah, je me rappelle d'une technique. Ah ouais, non, c'est bon. Ouais, je crois avoir trouvé. On verra bien, les amis, mais je crois avoir trouvé. En fait, si vous voulez, ce qui va nous poser le problème, c'est les soldats sur les toits. Alors, vous allez voir, normalement, si je dis pas de bêtises, logiquement, je me dirige vers celui-là, vers ce soldat-là. Donc, on monte. On peut pas monter? On peut pas monter. Ah. Ouais. J'avais souvenir que je passais par derrière, moi, c'est pour ça. Pas grave. J'essaie de pas me faire repérer par l'autre qui est là-bas. Oh, 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 on a eu chaud. On a eu chaud, on a eu chaud. Il y a un soldat en bas, faut que je fasse gaffe. On va attendre, on va attendre. Donc ouais, ça sera la dernière cible pour aujourd'hui parce que... déjà, si j'arrive à le tuer. Alors, l'autre là-bas, j'espère qu'il va pas me repérer quand je vais le faire. Je pense pas. Hop là. Est-ce que lui va descendre? Impeccable. Pourquoi je dis impeccable? Parce que... Hop là. Oh non, j'ai... Oh non, 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 non. Oh là là, je sais pas du tout comment je vais faire. Je sais pas du tout comment je vais faire. Je suis désolé, ça va être pas terrible à regarder aujourd'hui. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais je suis en train de me concentrer là. Si je parle pas, je regarde comment je vais pouvoir assassiner les cibles discrètement. Ah si, j'ai bon, j'ai peut-être une idée. Peut-être, peut-être. Sinon après, hein, c'est bourriné dans le tas, mais bon, c'est pas vraiment mon truc. Moi, c'est Assassin's Creed. Ah si, c'est une script. Beaucoup sont déjà rentrés dans le rang. Ils ont besoin de vêtements, de vivre, d'un refuge, de chaleur. Voilà. Sans foin, ils n'auraient rien. Voilà. Je vous entends marmonner. Vous devez vous dire. Voilà. Bon déjà, on a déjà fait ça. La cible est où? Alors je crois, vous savez quoi?
On va attendre qu'il va passer à côté du tas de foin. Je sais, c'est... Mais voilà. Au moins, on va être sûr de pas rater. Je pense que logiquement, il passe à côté de tous les tas de foin. En tout cas, je serre les doigts pour que ça soit le cas. Ouh la vache. Ouais. Et qu'il n'y en ait pas un qui fouille le tas de foin. Oh non, s'il te plaît, mec, fais pas le tour et... Oh, je les sens pas, là, le barde, là. Je les sens pas. Si. Ah, c'est bon. Ils nous fournissent toutes sortes de produits indispensables, laine, viande, lait, pour ne... Alors lui il est là-bas, alors soit qu'on fonce dessus et qu'on le tue. Voilà pourquoi notre foin ne doit... désolé de pas parler, je suis concentré. Alors ne prenez surtout pas cette mission à la légère. Je suis en train de voir les déplacements qu'il fait. Si oui ou non il revient ou pas. Je vais juste dans le tas de foin là. Voilà. Eh mince! Ah, je suis désolé, je suis hyper concentré, j'arrive à rien, j'arrive à rien. Ah, bref, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Parce que là, je pense qu'on va pas arriver à quelque chose. Enfin, je suis désolé, pour aujourd'hui, je pense que ça va être tout. Donc bon, aujourd'hui épisode pas très passionnant. Le prochain risque de pas l'être non plus parce que va y avoir les deux dernières cibles et les deux dernières cibles que je galère le plus. Mais bon, je ferai ça un autre jour. Je ferai ça à tête reposée et tout. Donc ça sera peut-être plus facile. On verra bien. Donc désolé pour cet épisode un peu foireux, mais bon, voilà, voilà, ça arrive. Hein. Comme le prochain qui va sûrement arriver. Voilà, geekez bien. C'était Shadow Nightmare. À la prochaine, les amis.